Salut le vlog. Aujourd'hui, du coup, c'est le dernier vlog retour au point de départ, malheureusement. Donc, je vous ai laissé hier sur cette petite image de mon lit. Je vous reprends aujourd'hui pareil. Donc là, on est toujours à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Il est un truc comme 4h50 du matin. J'ai réussi à dormir 2h, mais clairement, il fait tellement froid, je grelotte. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une petite chambre. Donc voilà, on va se diriger vers la sécurité pour embarquer, enfin pour prendre l'avion là. Donc premier avion à 7h10 qui va nous emmener à Fort Lauderdale en Floride. Et après, je crois qu'on va rester là-bas. C'est assez difficile, je vous l'avoue. Sécurité, check. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Here we go.
from Florida. On arrive à Fort Lauderdale. J'arrive pas à dire. Fort Lauderdale. En Floride, du coup. On est très content de retrouver un peu la Floride. Même si c'est pour pas très longtemps. Le vol était magnifique. On a vu tous les marécages de la Louisiane, puis le golfe du Mexique. Puis ensuite, on a longé la côte ouest avec Sanibel, notamment. Puis l'intérieur des terres, les Everglades, Big Cypress. Et puis on est arrivé ici avec les buildings de Miami au fond et les palmiers à Fort Lauderdale. Donc j'ai envie de rester en Floride. Donc là, on va prendre un bus qui s'appelle Red Couch, qui fait le shuttle entre l'aéroport de Fort Lauderdale et l'aéroport de... Je viens de voir un panneau là, de Miami. Regardez ce panneau. Waouh. Bon, bah du coup, on va prendre le bus. Bon, là on arrive devant le tableau, j'hésite entre les Bahamas, Key West, Vegas ou San Francisco, tiens, et Washington. Faut choisir entre les quatre, vous choisissez quoi vous? Bon, ça y est, on est bien arrivé, on est dehors, on attend le bus et il fait une chaleur à crever. On est en t-shirt, on va se reprendre des coups de soleil, c'est obligé. Le soleil de Floride. En Louisiane, il faisait beaucoup moins chaud qu'ici, là c'est l'été ici. Tout le monde est en t-shirt et en short pour un 24 avril, c'est cool. Il y a aussi un train qui fait la navette pour beaucoup moins cher, mais c'est assez loin, la gare est assez loin. Donc moi je pensais qu'il fallait prendre un Uber et en fait apparemment il y a des navettes aussi qui emmènent jusqu'à la gare. Donc il y a plusieurs solutions si jamais vous arrivez à Fort Lauderdale, mais bon généralement c'est pas le parcours type, donc je pense pas que ça vous intéresse trop. On est dans le bus, c'est pas un bus les gars. Regardez la taille des sièges, c'est des canapés, c'est un salon qui roule, regardez. Je sais pas si ça se voit bien, mais les sièges sont énormes. Et tu peux l'incliner, fais une démonstration. Tu peux complètement t'allonger. Regardez cela. Bon, dommage, alors je sais qu'il vient de Orlando ce bus, donc tu peux aller à Disneyland depuis Miami avec ce car. Ça plairait à mon frère. Regardez comme elle est belle la voiture de la police d'ici, du comté de Miami-Dade. Bon, du coup, on est bien arrivé à l'aéroport. On est obligé de garder toutes nos valises. Comme vous voyez, on est super bien chargé. On a 4 valises. Parce que le check-in de TAP Air, cool, bah voilà, commence que dans une heure. Donc, on a trouvé cette solution, c'est mieux. On dirait qu'on déménage, rien de souci. On va s'installer au Portugal. Je pense que si un jour on va faire un tour du monde, il va falloir qu'on s'organise autrement parce que là, comment dire? Bref, là pour l'instant je suis joyeuse parce que je suis encore à Miami. J'ai plus l'impression qu'on va s'en aller, mais tout à l'heure ce sera moins fun. Bon, petite pause à l'aéroport chez Dunkin. Je savais pas, mais ils ont des toasts à l'avocat. Trop bien. Des donuts, bien sûr. Il kiffe sa vie. Donc voilà, petite pause. Il est pas tard, il est 12h43. Donc on a encore 4 heures devant nous avant de décoller. Bon, voilà, sécurité fait, enregistrement des valises fait. Ça a été bien compliqué derrière, on vous expliquera, mais ta paire c'est un peu compliqué, hein. Ils sont un peu gripsous sur les bords. Mais bref, du coup on est bien arrivé. On a trouvé des bancs là, face à la skyline. Et je vous avoue que, comme d'hab, j'ai une poussière dans l'œil. C'est pas évident. Même si je sais que c'est pas grave, c'est pas important. Mais ouais. Ce pays, c'est une grande histoire. Du coup, là, on attend. On attend de monter dans l'avion et puis, ben, se laisser porter dans les airs.
J'essaie de profiter encore jusqu'au bout, puisque vous savez, les avions et moi, c'est pareil, c'est une grande histoire. Je sais pas comment il va faire pour sortir de là maintenant. Oups. Non, 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 non. Bon, ça y est, alors on a décollé, je vous ai pas filmé le décollage parce que du coup on est dans des places du milieu. Voilà, donc pas de hublot. Et puis de toute façon, bref, là on a eu le repas et on est un peu perturbé parce que il est 6h12 aux US et minuit 12 en France. Donc à quelle heure ça correspond? Peut-être plus à l'heure américaine quand même, c'est leur heure là, 6h15. Ouais, ils mangent à cette heure. Mais c'est dur là, je vous avoue que là c'est l'heure du goûter et après de l'apéro, on a raté deux choses là. C'est dur. Bon bref, c'est des pâtes, je vais pas vous faire tout le récap, il y a un gâteau, des pâtes, une salade, du pain et du jus de pomme. Lisboa, il est 5h du mat, minuit dans nos têtes. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ici? Regardez, on est reparti du tout début. Je vous ai filmé une scène exactement là il y a 2 semaines. Oh là là, on refait tout le film à l'envers. Ouais, je crois que c'était cette boutique, je sais plus. Bon, on essaie de pas trop se déboussoler. Starbucks Frappuccino Caramel. Je sais pas si c'est une très bonne chose de me filmer moi. Mais non, le vol s'est très bien passé, ça a été rapide. On a juste eu un enfant qui nous secouait au début et un monsieur qui sentait pas très bon des pieds. Mais bon, ça fait partie des joies du voyage. Mais non, la 330 Neo, franchement, il est trop bien. Il n'y a quasiment pas de bruit et il est très doux comme avion, donc franchement je l'adore. Il y a de la place, il est moderne, etc. Donc vraiment il est cool. Donc là on est de retour à Lisbonne pour 1 heure. Ouais, les Dunkin' Donuts. Ils ont pris cher. Et ouais, voilà. Il est 6h30, je crois, ou 7h, non, un peu plus. Il est 7h, tout du genre. Voilà, et les émotions, c'est. Les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais, quand même. Ça ressemble plus trop à Donuts. Elle est le dernier normalement. Normalement. Si jamais il y a un autre agent qui nous ramène à la maison. Ouais. Dernier décollage.
Là, c'est le moment où on croise les doigts pour récupérer nos 46 kilos de valises. Plus les deux petites valises, donc en fait, ouais, putain, on a 60 kilos en fait de bagages quasiment. On croise les doigts. Oui, regardez qui arrive. La valise Marshalls. Ouais, la petite valise américaine. Il y a les deux. On en a encore une dernière derrière et la dernière. Nickel. Parfait. Bon, bah voilà, il n'y aura pas de scoop. Bon, on sait pas pourquoi. Dans le sud, ils ont mis la clim dehors. Du coup, on doit aller au soleil. Non, c'est un doc, il fait pas très chaud. Hein. On est le 25 avril, mais à l'ombre, il fait même froid. Et du coup, on a dû se mettre au soleil pour se réchauffer. Je me suis dit que j'allais mettre le short et tout. Bah oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi le sud là? Bon, alors je sais pas trop si ce vlog est très pertinent et très intéressant pour vous, puisque bah, c'est juste un vlog retour. Je fais ce petit vlog, même si c'est un peu perso, pour toutes les personnes qui voudraient voir la fin de l'aventure vraiment en entier comme une série. mais voilà, il y aura. Là, c'est plus très intéressant. On va prendre le bus qui va nous ramener chez nous dans la Provence, dans les montagnes. Donc bon, je vais pas conclure maintenant, je vais vous reprendre encore un peu quand j'arriverai, mais c'est pas le plus intéressant des vlogs quoi. Mais bientôt il y aura une nouvelle série quand vous regarderez ce vlog. J'espère. Ça y est, on est rentré à la maison. Regardez qui en a retrouvé. Qui c'est qui a déjà adopté sa robe achetée chez Ross. Et ben voilà les amis, ce que vous venez de voir, c'était le dernier rush de ces Gators Road Trip. Donc à l'heure où je vous tourne cette petite séquence, on est plus de 4 mois après la fin de ce voyage. Donc ça a été 4 mois de montage vidéo chaque semaine. J'avais mon jour dédié dans la semaine au montage vidéo de ces vlogs. Donc voilà, c'était le dernier. Ça va me faire bizarre de me dire que bah ça y est, c'est fini, que je vous retrouverai plus toutes les semaines, du moins pour l'instant. En tout cas, je voulais vous dire un énorme merci. Comme d'habitude, à chaque fin de série de road trip, je suis étonnée en fait de voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui ont suivi, qui m'ont envoyé des messages régulièrement sur Insta, sur YouTube, etc. Pour commenter les vlogs, etc. Donc vous avez vraiment fait partie de cette aventure et j'ai vraiment du fond du cœur adoré partager tout ça avec vous. J'ai adoré avoir vos ressentis, ce que vous avez préféré, vos petites anecdotes, etc. C'était vraiment super chouette. Et je pense que vous n'imaginez pas à quel point vous êtes important, à quel point votre présence est importante dans ma vie, autant pro entre guillemets avec mon activité YouTube que perso. Voilà, vraiment tout ce que vous me partagez, tous vos commentaires, etc. C'est vraiment hyper important pour mon équilibre personnel, donc merci du fond du cœur. Et voilà, donc bah, ce voyage était vraiment magnifique. Je pense que vous aussi vous l'aurez ressenti, on a été heureux tout le long. Il n'y a pas eu de mésaventure, il n'y a pas eu de couac, vraiment ça a été une super aventure du début à la fin. On a découvert une Floride très différente de ce qu'on imaginait et on a été aussi très étonnés par la Louisiane, mais tout ça on vous refera un récap on va dire. Je pense qu'on fera une vidéo récap exprès pour vous partager un peu notre avis sur toutes les choses qu'on a visitées si ça vous intéresse. Il y aura aussi une vidéo avec ben un peu tout ce qu'on a acheté, etc. qu'on avait tourné au tout début quand on était rentré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait, comme je vous dis, vraiment très bizarre. Voilà, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'idées de destination qui me trottent en tête. C'est mon but principal dans la vie, donc tout ne s'arrête pas ici. Donc j'espère pouvoir vous emmener le plus rapidement possible en voyage à travers ces vlogs, et dans tous les cas il y en a au moins un, il y a au moins un voyage qui est prévu en 2023, printemps 2023 si tout va bien. Donc voilà, donc dans tous les cas j'espère qu'il y en aura peut-être un avant, on verra. En tout cas merci encore une fois du fond du cœur pour votre présence et puis bah à très bientôt pour de prochaines aventures. Ne me quittez pas là, j'ai besoin de vous et on va encore continuer à partager plein de choses avec vous sur cette chaîne, donc voilà. Et il y a le livre qui arrive la semaine prochaine, si je me trompe pas, restez connectés sur YouTube, vous aurez la vidéo fin de semaine prochaine normalement, le livre sur l'Ouest américain, du coup si vous n'avez pas suivi, sort enfin. Voilà, je vous laisse suivre tout ça sur la chaîne et à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous les gens!